L'écosystème du streaming décentralisé t'intéresse? Tu veux connaître le futur concurrent de Theta? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va traiter de l'écosystème du streaming décentralisé. Cette vidéo fait suite aux nombreuses vidéos que j'ai faites sur des écosystèmes. Dans ces vidéos-là, j'étais tout simplement en train de vous montrer quel était l'écosystème, quelle était son utilité dans le monde réel et une petite analyse de l'écosystème. Je vous montrais quel était le leader du système et possiblement les concurrents qui pouvaient venir grignoter des parts de marché et donc être des investissements intéressants. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser au streaming décentralisé, le leader étant Theta. On peut voir qu'au niveau du code market cap, quand même, le secteur du streaming décentralisé et de la vidéo au niveau décentralisé fait à peu près 6,5 milliards de dollars et que Theta à lui seul en représente 6 milliards sur les 6,5 milliards. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter clairement. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo ou même, si c'est juste pour aider la chaîne, à mettre un commentaire de référencement. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Clairement, la communauté grossit de jour en jour, ça me fait plaisir. Et je vous rappelle, 65% des personnes qui regardent mon contenu au jour le jour ne sont pas abonnées. Donc clairement, ça peut vraiment récompenser le travail que je fais au jour le jour et ça fait toujours plaisir d'avoir une communauté qui grandit. Mais passons tout de suite au thème de la vidéo, à savoir le streaming décentralisé. Cette vidéo traite des principaux concurrents de Theta. Donc le premier truc à regarder, c'est forcément parler de Theta. Du coup, Theta qui est leader dans son domaine de plateforme vidéo, d'espèces de streaming en ligne, même s'ils sont plus spécialisés sur les jeux vidéo, Theta, il est où? Il est 34e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché quand même assez élevée, aux alentours des 6 milliards de dollars. On peut voir rapidement son graphique ici. On peut voir que Theta a très fortement performé pendant Bull Run et là qu'il est dans une période d'accumulation au niveau de la zone de rechargement. Donc ça peut être un bon moment pour rentrer dessus, mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Donc le Theta Token, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme de streaming décentralisée sur la blockchain avec une focalisation sur tout ce qui est univers du jeu vidéo et du gaming. C'est un concurrent direct à Twitch qui a pour but de créer donc une plateforme de streaming avec une meilleure qualité de vidéo, mais aussi des coûts moindres. Et en fait, leur technique, elle va permettre de louer la bande passante des différentes personnes pour augmenter la qualité des vidéos. Forcément, les personnes qui louent leur bande passante seront récompensées en crypto-monnaie et du coup, ils vont pouvoir mettre des vidéos de meilleure qualité. Par exemple, s'ils veulent montrer une compétition de streaming, une grosse compétition streaming, par exemple de League of Legends, qui va être vu par beaucoup de personnes, ben du coup, ils vont louer de la bande passante à beaucoup de personnes et ça va permettre d'avoir cette vidéo en live que vous allez pouvoir regarder en très très haute qualité. Donc en fait, leur but, c'est vraiment deux technologies, être un peu le concurrent à Twitch et en quelque sorte aussi un peu le YouTube décentralisé pour permettre d'avoir plus de donner plus de gains et permettre aux personnes créateurs de contenu d'avoir un peu plus de revenus que ce qu'ils ont actuellement sur YouTube et sur Twitch, mais aussi, il y a aussi cette technologie de partage de la bande passante et de location de la bande passante pour justement avoir ces vidéos en meilleure qualité. Du coup, Theta Token au niveau de la communauté, déjà une belle communauté de 204 000 followers, on voit qu'ils publient assez régulièrement, clairement, un projet très intéressant. Petit truc à dire en plus, forcément, quand on parle du Theta Token, on doit aussi parler du Theta Fuel, qui est tout simplement la crypto-monnaie liée à l'environnement Theta. Donc on peut voir que le Theta Fuel est 73e avec une capitalisation de marché quand même de 1,5 milliard. Donc voilà, pour moi, ce sont le Theta Fuel est forcément aussi à suivre. Pour trouver les principaux concurrents de Theta, moi, je me suis basé sur le site CoinMarketCap. Vous en avez l'habitude, ce n'est pas la première vidéo que je fais sur la série sur les écosystèmes avec leurs leaders et leurs différents concurrents. Donc tout simplement, moi là, je vais passer par CoinMarketCap parce que je trouve que c'est le plus ergonomique et le mieux fait. Mais tous les autres sites sont aussi très bien. Du coup, comment trouver dans quelle catégorie ranger Theta? Tout simplement, vous allez sur Theta et juste en dessous du nom et de la capitalisation de marché, vous avez les différents tags dans lesquels la crypto-monnaie est catégorisée. Moi, j'ai trouvé que là, le thème dans lequel la vidéo était catégorisée, qui ressemblait vraiment des vrais concurrents à Theta, était le thème vidéo. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce secteur d'activité au niveau des crypto-monnaies n'a qu'une market cap globale de 6,5 milliards de dollars. Donc quelque chose de pas encore énormément gros, sachant qu'on voit à quel point le streaming avec par exemple Netflix
ou même les vidéos en ligne avec YouTube, ou même le gaming, le streaming de gaming avec Twitch sont énormes. Clairement, il y a vraiment des parts de marché à aller chercher. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que Theta, avec plus de 6 milliards sur les 6,5 milliards, a une part énorme. Entre 80 et 90% des parts de marché sont pour l'instant par Theta. Donc clairement, il est en position totalement dominante. Et c'est vrai qu'essayer de trouver le futur Theta ou la crypto-monnaie qui pourra un peu venir grignoter les parts de marché, ça peut être intéressant pour le futur. On peut le voir à ce niveau-là, le premier concurrent est Veracity. Donc Veracity, tout simplement, c'est une crypto-monnaie classée en 186e position du Coin Market Cap avec une capitalisation de marché de 274 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 20 fois plus petit que Theta. Donc c'est vrai que ça peut être assez intéressant à regarder. Donc tout simplement, Veracity, ça va être quoi? Ça va être une plateforme fournisseur de technologies de lecture de vidéos. Leur lecteur de vidéos va permettre de récompenser de manière tokenisée, mais aussi de faire des programmes de partenariat et de fidélité. Il faut savoir que quand même, Veracity est quand même une sacrée grosse structure. C'est plus de 2 millions d'éditeurs de vidéos. Quand on parle d'éditeurs de vidéos, ce sont des personnes qui créent du contenu, des créateurs de contenu, avec plus de 550 millions d'utilisateurs et quand même 110 milliards de vues mensuelles. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez gros au niveau de la blockchain. Ils vont utiliser la technologie de Proof of View pour vérifier de manière sécurisée, précise et publique la mesure d'audience et éliminer ce qu'on peut appeler les fausses vues. Et en fait, la crypto-monnaie Vera ou Veracity pourra être obtenue en regardant des vidéos. Veracity compte aussi se spécialiser en grande partie sur le e-sport et le e-gaming. Donc, c'est clairement un réel concurrent à Theta parce que Theta aussi se spécialise du coup dans tout ce qui est streaming au niveau du gaming. Donc, clairement, un gros concurrent à Theta. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que Veracity a quand même une belle communauté de 167 000 followers. Donc, pour moi, c'est clairement un projet très intéressant avec des gros chiffres qui ramènent beaucoup d'argent, qui a une grosse communauté qui est déjà très utilisée. Et donc, pourquoi pas dans le futur voir Veracity peut-être intégrer le top 100 et se rapprocher de Theta. Le prochain concurrent de Theta, comme vous pouvez le voir, est Contentos ou le COS. Contentos est pour l'instant une crypto-monnaie classée en 472e position avec une capitalisation de marché de 77 millions de dollars. On commence à descendre forcément, vu que 80 ou 90% des 6 milliards et demi qui sont au niveau des vidéos est pris par Theta et que le deuxième est à quasiment 300 millions, forcément les autres crypto-monnaies vont avoir des toutes petites parts de marché. Donc Contentos, c'est quoi? C'est tout simplement un projet qui va viser à créer un écosystème digital de vidéos décentralisées où les actifs peuvent être librement produits, authentifiés et distribués tout en protégeant les droits d'auteur. Leur plateforme vidéo va s'appeler Cause TV et va viser à être un peu un YouTube décentralisé. Contrairement à Theta et Vera, ils vont être plus généralistes et moins axés sur le gaming. Là, on va aller voir le Cause TV. Tout simplement, c'est une plateforme qui ressemble un petit peu à YouTube, où vous allez avoir plein de vidéos. Bon, là, vous avez une vidéo de gaming, mais des vidéos un petit peu sur tout. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Leur but, c'est tout simplement de créer un YouTube décentralisé, donc de s'attaquer au mastodonte YouTube. Au niveau de Twitter, on peut voir que Contentos a une toute petite communauté d'à peine 30 000 followers. On voit qu'il publie régulièrement. Donc, tout simplement, pour résumer, Contentos, un très bon projet. Un projet qui s'attaque quand même à YouTube et ça ne va pas être facile de le faire. Leur but, être un YouTube décentralisé, c'est quelque chose d'intéressant qui est déjà palpable et utilisable. Maintenant, c'est clairement quelque chose de petit. Donc après, c'est à vous de voir. On voit que la communauté n'est pas encore immense, mais clairement un projet intéressant qui peut être clairement dans le futur un concurrent à Theta. On va encore un peu descendre au niveau du classement CoinMarketCap pour la catégorie vidéo, donc les concurrents à Theta. On a Vidéocoin. Pour moi, Vidéocoin n'est pas réellement un concurrent à Theta. Ils sont plus dans une plateforme de vente de NFT pour que les créateurs de contenu, en fait, on va dire, transforment un peu leur contenu en NFT et une rémunération par rapport à ça. Donc, je trouve que ça n'a pas vraiment un rapport avec Theta, avec tout ce qui est plateforme de streaming. Par contre, Movieblog, je trouve que ça a déjà plus un rapport. Movieblog est 513e en termes de CoinMarketCap avec une capitalisation de marché aux alentours des 66 millions de dollars, donc quand même un gros projet. Movieblog, c'est quoi? Tout simplement une plateforme décentralisée de distribution de films. Pour moi, c'est un peu un Netflix décentralisé. Et en fait, leur but, ça va être d'augmenter la rémunération des créateurs de contenu. C'est vrai qu'on va dire que pour tous les concurrents de Theta et même Theta, leur but, en fait, c'est qu'il y ait plus ce côté où YouTube va prendre une énorme partie des revenus et que, par exemple, les YouTubeurs en touchent moins, pareil sur Twitch.
Le but, c'est que les personnes qui créent du contenu soient incitées à venir chez eux et que du coup, ils aient une énorme part des gains liés à leur contenu. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Movieblog, du coup, est une crypto-monnaie qui, sur Twitter, a une communauté de 25,7K followers, 25 000 followers à peu près. Donc, ce n'est pas non plus une communauté énorme. On voit qu'ils publient assez régulièrement. Clairement, c'est plus directement lié au niveau des films, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est un concurrent à Theta qu'il faut aussi surveiller, même si forcément son positionnement au-delà de la 500e place du Code Market Cap en fait une crypto qui est plus risquée, mais sur laquelle on peut aussi avoir de plus gros multiples. Projet suivant au niveau du Code Market Cap, il s'agit de iOS Network. Le projet iOS Network est une crypto-monnaie classée en 660e position sur CoinMarketCap avec une capitalisation de marché aux alentours des 34 millions de dollars. On voit que iOS, par rapport à Movieblog, c'est déjà deux fois plus petit. Donc là, clairement, on arrive sur de la crypto-monnaie plus risquée en termes de capitalisation, mais qui a aussi un énorme potentiel, clairement, de multiples. iOS Network, c'est quoi? C'est tout simplement un projet qui repose sur la blockchain iOS Network pour distribuer des contenus vidéo de manière décentralisée. Donc on peut voir que leur application, il y a iOS Tube, iOS OT et iOS TV. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez complet. On peut voir que iOS Tube, ça se rapproche un peu d'un YouTube décentralisé. On peut tout simplement y partager des contenus vidéo. Et iOS TV, c'est tout simplement une plateforme de live streaming en ligne. Donc clairement, pour moi, c'est un projet assez complet. Au niveau de Twitter, on voit qu'ils ont quand même 63 000 followers, donc clairement un petit projet au-delà de la 500e place, avec quand même pas mal de followers. C'est le type de projet dans lequel, clairement, je pense qu'il faut un peu plus creuser pour voir à peu près, par exemple, combien de pourcentage de jetons ils ont déjà émis, est-ce qu'il y a des capital ventures, est-ce que des gros investisseurs sont rentrés et vont possiblement avoir un déblocage dans pas longtemps, parce que c'est le type de projet qui est complet, qui n'est pas très capitalisé et qui a déjà, par rapport à des projets plus capitalisés, une beaucoup plus grosse communauté. On arrive à la fin de la vidéo, donc tout simplement, je ne vais pas vous faire les crypto-monnaies qui sont au-delà de la 1000e place. Je trouve que c'est extrêmement risqué. Le but de cette vidéo n'est pas non plus de vous montrer un projet absolument à suivre ou à acheter, c'est tout simplement de vous montrer une certaine façon de faire, un certain mindset, c'est-à-dire quels sont les différents écosystèmes qu'on a au niveau des crypto-monnaies, quels sont les écosystèmes qui m'intéressent le plus et qui peuvent aussi dans le futur exploser. Ensuite, trouver où sont les différentes crypto-monnaies de cet écosystème, les analyser une par une et ensuite faire vos propres recherches de votre côté pour savoir dans laquelle il faut investir ou possiblement dans laquelle il ne faut pas investir aussi. Là, clairement, moi, je n'ai pas regardé toutes ces crypto-monnaies-là, mais elles sont au-delà de la 1000e place, donc je trouve que c'est vraiment trop risqué pour vous les montrer. Le but de cette vidéo était donc de parler de l'écosystème du streaming décentralisé qui, pour moi, est quelque chose de tangible et de très utile. On peut voir comme, par exemple, YouTube ou même Netflix ont explosé grâce à ça. On voit qu'il y a un leader qui est clairement le plus gros, à savoir Theta, qui compte quand même 92% des parts de marché, si on peut le dire comme ça, parce que 6 milliards de capitalisation de marché pour Theta et la capitalisation totale de ce qu'on va appeler le streaming décentralisé, 6,5 milliards de dollars. Donc clairement, 92% des parts de marché pour Theta. Son principal concurrent, qui est plus de 20 fois plus petit que lui, Veracity, à 4% des parts, c'est-à-dire à eux deux, 96% des parts. Et ensuite, ce sont des plus petits projets, mais qui sont quand même intéressant avec clairement des bons fondamentaux et ce sont des projets qui montent et qui ont peut-être un avenir radieux. La vidéo du jour va arriver à sa fin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine!